jeune étranger vient en France, il prend des cours de français aux filles. C'est obligatoire pour les personnes qui ne connaissent pas la langue française. Voilà, la formation est terminée. Je vous donne l'attestation. Je vous souhaite la bonne continuation. Voilà. Merci. Après le cours de français, vous pouvez chercher du travail. La personne de plus de 25 ans peut aller à France Travail qui propose des services pour aider à la recherche d'emploi et de formation. Les jeunes de moins de 25 ans peuvent aller à la mission locale qui offre un suivi emploi, logement, etc. adapté à leur tranche d'âge. Maintenant, vous êtes inscrit à Pôle emploi. Vous allez avoir un premier rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, le conseiller va vous poser des questions. Vous allez vous présenter, vous allez donner des documents, carte de séjour, carte vitale. Vous allez parler de votre expérience professionnelle, ce que vous avez fait avant, vos diplômes, vos compétences. Vous allez expliquer ce que vous voulez faire comme travail. Bonjour Madame Mokin. Bonjour Madame. C'est notre premier rendez-vous. Oui. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre papier, carte de séjour, carte d'art. Tenez, madame, ça c'est carte vitale. Mm-hmm. Et plus. Merci. Petit-toi de séjour. Merci. Est-ce que vous avez votre CV? Oui. C'est bon, merci. Merci, madame. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites avant? J'ai travaillé avant chez moi comme infirmière, mais ici, nos diplômes ne sont pas connus, donc je vais faire la formation des aides-soignantes. Je regarde. Désolée, maintenant, il n'y a pas de formation aide-soignante. Est-ce que vous voulez travailler en temps? Oui, madame, je vais bien travailler au lieu de rester à la maison. Quel travail voulez-vous faire? Ce n'était pas prévu. Je dois réfléchir un peu. D'accord, je vous laisse un peu de temps. Et on reparler au prochain rendez-vous. D'accord, madame. C'est votre CV, merci. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Maintenant que vous êtes inscrite en Pôle emploi, il faut faire un CV. C'est une présentation professionnelle. Vous devez noter votre expérience en France ou dans votre pays, vos formations et vos diplômes, vos compétences, les langues que vous parlez. Bon, ma formation est finie. Je vais aller sur Pôle emploi pour voir s'il y a du travail. Bonjour madame, je cherche un travail. Est-ce que je peux donner mon CV s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pour quel travail? Je cherche un travail en secrétaire s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Tenez. Merci. Vous avez fait un CV. Vous pouvez chercher du travail sur Internet. Vous pouvez aller à l'agence intérim. Allez donner vos CV direct dans les magazines, le bureau, l'entreprise. Le temps pour trouver un emploi est parfois long. Vous pouvez aussi faire une formation professionnelle qui vous prépare à un emploi, par exemple. Vous pouvez faire ces formations à l'AFA, au Greta, à l'IFA Marcel Sauvage.
Vous pouvez aussi demander à votre conseiller, conseillère mission locale ou Pôle emploi, ou aller directement dans les centres de formation pour vous renseigner. Vous aurez sûrement des tests à passer.